conception de ce bateau, l'idée, c'était pas de reprendre un Gitana 17 pour se dire qu'on va faire quelques évolutions. La volonté d'Ariane de Rothschild, en fait, c'était de dire je suis d'accord pour qu'on construise un nouveau bateau, mais il faut vraiment que vous me montriez des choses qui soient intéressantes et qui soient très évolutives. Et donc, ça nous challenge, en fait. Il y a du monde à l'arrière. Normalement, il ne devrait pas bouger. Il va peut-être aller en latéral. Donc, il va se caler dans les berres, mais je vais le rectifier. C'est bon, David ? Il est là ? OK. Tu peux te mettre sur le berre avant de cesser et nous dire quand il lève. C'est bon, Rodolphe ? Pour moi, tu peux y aller. Ouais, t'es plus en contact derrière, Rodolphe. OK. Et devant ? Ok. Pour moi, là, tu touches plus les berres. CDK, en fait, est un chantier de construction performant. Et nous, en fait, la mission qu'on leur a donnée, c'est de nous délivrer une plateforme composite prête. Ouais, tu mets à zéro et puis je dégrafe les pesons devant. Ouais, merci Nico. Là, au fur et à mesure, on a tous les métiers de l'équipe qui interviennent sur la partie hydraulique, sur la partie électronique, sur toute la partie câblage et puis sur les montages de tous les systèmes. On va vraiment finir en interne tous ces sujets-là. Alain, tu peux nous aider pour le Par où tu passes là? Je te donne les rods aussi. L'équipe, en fait, elle est aujourd'hui, elle est forte parce qu'elle a confiance en elle. Ça va? Ça va et toi? Et puis, il y a cette expérience que justement est accumulée depuis des années. Là, on vérifie que tout soit prêt pour la mise à l'eau. Capteur de présence d'eau, c'est bon. On remarque que les visages sont les mêmes. L'expérience est là, la fidélité est là. La confiance qu'on a les uns vers les autres, elle est également là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on avance tous ensemble, on progresse ensemble. Le fait d'avoir ces stabilités fait qu'on s'appuie sur cette expérience et sur ce bagage qui est majeur en fait pour progresser. Chez Gitana, je suis responsable de l'atelier composite. C'est-à-dire que je vais gérer l'équipe composite et l'atelier et la fabrication de toutes les pièces, les importations sur le bateau, les fabrications, les réparations. Et au Fredo, tout se passe comme tu veux. Il y a pas mal de boîtes qu'on a fabriquées en interne, qu'on vient greffer au bateau, quoi. Ça, c'est strap de celle-là aujourd'hui, l'autre aussi. Ouais, ouais. Faut que je refasse le tour pour vérifier qu'on n'ait pas oublié de perçage et de boîte. Il y aura peut-être celle de l'extérieur qu'il faudra prioriser. J'ai envie qu'on fasse ces vidéos. Ouais. Ok, et ben je regarde tout ça. Aujourd'hui, on est à travailler dans l'équipe parce qu'on a renforcé un petit peu l'équipe justement sur cette phase de fin de construction. Nous sommes une trentaine de personnes. Trois, deux, un. Dès qu'on est sorti, on lui fait faire un 180. Ok, on va faire demi-tour. On vide un peu le hangar. On a transporté le mât de bonne heure ce matin pour pas gêner la circulation. Dans un autre hangar là où il y a le fen, où on pourra aussi travailler dessus si besoin. Ouais. En période de chantier, il sera stocké à cet endroit-là. Ça nous permet de libérer de la place vraiment sous le bateau quand il y a besoin de travailler. Quand on a les appendices à transporter ou à bouger dans le chantier. Quand on a le mât en travers du chantier, c'est vraiment pas pratique. Donc il va être bien dans cet autre hangar. On va se préparer quelques garcettes pour installer sur le filet
Nous, en gréement, c'est un peu la première chose qu'on fait sur un bateau neuf. C'est la pose des filets, dès qu'on peut, pour sécuriser le bateau. Là, je fais des lashings avec plusieurs tours, comme ça, ça nous permet de tendre les filets, parce que les filets sont assez difficiles à tendre. On a des lashings avec du dynéma très très fin, tous les 10-12 cm, pour pouvoir accrocher le filet et pouvoir le tendre à venir toucher la coque. C'est hyper solide et du coup, on est en sécurité quand on marche dedans. Il faut vraiment y aller tranquillement. Une fois qu'on l'a retendu un peu, on le laisse se reposer. On peut passer de filet en filet pour tendre au fur et à mesure, quoi. Donc ça, c'est les deux premiers petits filets du bateau. Assez rapide à mettre en place. Et puis bientôt, on va commencer à installer les grandes nappes qui vont derrière, entre les deux bras. Aujourd'hui, la construction du bateau, c'est environ 200 000 heures, qui est en gros 20% de plus que ce qu'a exigé Gitana 17. On a poussé encore une fois le curseur beaucoup plus loin, donc il est certain qu'on va découvrir un certain nombre de choses, mais on s'appuie quand même sur une expérience qui va nous permettre de pouvoir mettre au point le bateau beaucoup plus rapidement. Il y a des compétences en fait que l'on a en interne qui nous permettent en fait d'aller plus loin encore dans la mise en place des différents systèmes qu'on veut mettre à bord. Je suis Nicolas Legrière et je suis responsable des systèmes embarqués et de l'électronique dans l'équipe Gitana. Ça va de la puissance, l'électricité, la gestion des capteurs, l'enregistrement des capteurs, le traitement de la donnée et la restitution à terre. Et à ça, on peut ajouter aussi après tout le volet performance, en tout cas mise à disposition des données pour la cellule performance et pour la post-analyse des données de navigation. On a un souci dont on n'a pas trouvé la cause. Moi, je considère qu'on ne peut pas vous livrer un produit qui n'est pas totalement abouti. Tu penses que c'est complexe, que ça va vous demander beaucoup de temps pour l'instant, on ne sait pas si c'est du soft ou du hard. Juste, il faut qu'on comprenne simplement ce qui se passe, quoi. Essayer de mettre l'accent dessus pour pouvoir corriger le problème. Fin octobre, ça serait bien, quoi. Bah, nous, c'est ce qu'on s'est fixé, hein. Clairement, on s'est dit ça ne peut pas dépasser fin octobre. Ok, ça marche. Bon, bah ok. Dans le développement de Gitana 18, il y a eu la partie purement recherche et développement que j'ai pris à ma charge et la partie intégration sur le bateau en fait, qui a été complètement gérée par Olivier. Et aujourd'hui, on est dans une phase où les deux mondes en fait, se rencontrent. Et là, on touche vraiment au vrai parce qu'on commence à allumer les capteurs, on commence à mettre de l'intelligence dans le bateau. Et on commence à avoir des choses qui se réveillent et qui commencent à parler. Et là, je fais des tests sur notre fichier analytique. On pourra identifier et mettre des labels dessus. Puis après, on fait nos boîtes avec les dispatchs qui repartent en bas là, sur le temps, jusqu'aux interros de fibre. Ce que fait Rodrigue de l'autre côté. On se rejoint là-bas? Ouais, ça roule. Allez. On va au chantier CDK, voir... un peu l'implantation des câbles, et on est en train de passer des câbles et on va voir si tout le composite a bien fait tous les perçages pour qu'on puisse poser nos chemins de câbles conformément à ce que Olivier a dessiné sur les schémas. Et on va aussi aller paramétrer les offsets de la centrale inertielle du bateau. On va faire le tour avec Olivier dans le bateau du coup pour voir. La centrale inertielle donc, qui est implantée dans le bateau, pouvoir ajuster au mieux ces offsets pour mesurer au mieux en fait l'attitude de la plateforme après en navigation. Cool. Et ben on fait la centrale inertielle. Ouais. 47 43 321. Sur la partie électronique, on a des compétences en interne. C'est pas mal, hein. Ouais. Avec Olivier Guiguin, Nicolas Legrigère notamment, qui sont vraiment très pointus en fait sur cette partie-là. Voilà, désaligné, parce que là il nous donne un roulis à 0,027, donc c'est ce qu'on aurait. Et donc on développe toute cette partie électronique du bord qui va nous permettre de garder toutes ces inputs en interne et qu'on ne le retrouve pas en fait 6 mois ou 1 an après sur les autres bateaux. Et ça pour nous c'est très important parce que c'est aussi un des nerfs de la guerre. Ouais, moi j'aurais les 10 à changer, mais je les ferai une par une, donc je ne déplacerai pas la centrale. On est en train de recaler la centrale inertielle, qui est notre instrument de mesure en fait, du cap du bateau, du tangage et du roulis. On pourrait pas demander à Jean-Luc de nous faire la même chose à côté, comme ça. Je voudrais dire que tu veux corriger quelques... Centre degré, nord-est.
On attend qu'il y ait le bateau, c'est son premier cap quand même. Premier cap de sa vie. Et c'est les premiers instruments qui commencent à parler sur le bateau alors. C'est le début de l'histoire quoi. La grande nouveauté, ça va être vraiment le contrôle. On va avoir beaucoup de fonctions qui vont être pilotées par les systèmes embarqués. Là, les deux capteurs, là, c'est les deux fameux, c'est pour les galomans. Ah oui, pour la nomenclature. Ouais. Nomenclature sur ces lignes. Ouais, c'est juste pour l'instant, mais moi, j'arrive pas à savoir, en fin de compte. Ah oui. Quand j'ai un GH, là, c'est... Ouais, mais sur leur ligne, c'est... Ouais, c'est la taille des pieds. Il y a que eux qui savent, quoi. Ok, bah, on va leur demander de nous mettre tout propre, parce que là, ils vont rajouter des choses aussi, de toute façon. On va avoir des contrôles d'appendice qui vont être de plus en plus complexes et qui seront étroitement liés aussi à l'électronique. Je sais pas comment dire ça sans dire de gros mots, en fait, mais... C'est l'appareil ici, quoi. Bah, de toute façon, on va leur demander de tout noter, au pire, on va mettre des autocollants. Ok. Bah, là, c'est bien marqué. Ouais. Okay. On va avoir beaucoup de fonctions complexes et innovantes dans le bateau, et on aura un besoin, du coup, de contrôler ces fonctions-là avec l'électronique, et c'est un peu ça, l'inconnu. Et après, ici, bah, le compresseur pour le John Boy, je pense qu'il est là. Ouais, il faut qu'on puisse voir le mano, quoi, ce que je veux dire. Si je mets un ouais. Le bateau, il a un degré de dépendance à l'électronique qui est assez fort, mais qui est quand même maîtrisé. Parce que pour certifier le navire, on est obligé d'avoir des backups manuels et des possibilités de bypasser les fonctions électroniques pour mettre en tout cas le bateau en sécurité et pouvoir quand même naviguer avec. Pas trop saillant. Non, ça passe, ça déroule. Je leur ai donné les cotes aussi. Normalement, on va être par là. Par rapport à ce que j'aurais donné tout à l'heure. Là, on va arriver là, les passages là-bas, ils sont clairs. Après, il va falloir qu'on remonte ici, parce qu'il va y avoir les capteurs des vérins de galopant. On ne va pas rentrer par là. Je pense qu'on va remonter là. On va repercer ici, ça, c'est pas structurel. Il va y avoir un chemin de câble à faire ici, pour aller sur les capteurs. Le vérin, on l'a reçu. Et on voit avec David comment ils comptent le rentrer. Parce qu'on ne dissocie pas le capteur du vérin. Il faut juste voir qu'on a aujourd'hui 44 vérins sur le bateau et que tout ça, effectivement, demande un contrôle, une vérification et notamment des données numériques. On est forcément obligé de collaborer avec le département hydraulique parce qu'on a deux départements qui sont liés l'un à l'autre, puisque les systèmes hydrauliques sont pilotés par l'électronique et les capteurs sont aussi obligatoires pour faire les contrôles hydrauliques. On va faire un essai des vérins de galoban sur le bateau. On va vérifier que les cadènes correspondent à la chape du vérin. Et on va réaliser le premier montage du vérin, voir si tout passe bien, les raccords, s'il n'y a pas de problème majeur. Thank you very much. Bien à toi. Merci Antoine. C'est le premier montage, donc c'est la première fois que tu assembles les pièces ensemble et forcément, à chaque fois, il y a des petites retouches. Le prochain montage, il sera en 30 minutes, hein. Il n'y aura pas de soucis, mais au début, c'est vrai, ça demande un peu plus de temps. Voilà le bébé, donc ça, c'est le tribord. Bonjour Alain. Je vais bien, ouais. Je suis dû à essayer un vérin de galoban. Je peux essayer de ce côté-là. Ouais, ouais carrément. Si le passer, le monter. Ouais, ouais, bien sûr. Il va venir se mettre ici et sur la cadène à l'arrière là-bas. Aujourd'hui, on arrive à intervenir sur des endroits du bateau sans se marcher sur les pieds et on arrive à avancer chacun à notre niveau. En bonne intelligence, on arrive à bien avancer chacun de notre partie. Ça va bouger beaucoup les flexibles. Il faut pas oublier que notre échéance et notre rendez-vous est vraiment la route du Rhum 2026. J'aimerais bien voir l'arrivée de la route du Rhum l'année prochaine. J'ai un bon souvenir de la dernière et si ça pouvait se transposer et se passer aussi bien, ça m'arrangerait. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, et je pense que vous le verrez au moment de la mise à l'eau, c'est que les appendices, ils sont colossaux. On est dans une autre ère en fait. Et ça, en fait, ça prend plus de temps parce qu'on ne veut pas se rater.
Et ça, c'est vrai que la mise en œuvre de tout ça est assez longue.